Cet acte humanitaire a signalé dans ce journal, dans le cadre de ses activités, la Fondation Chad Helping Hand fait aussi dans l'humanitaire pour donner la chance aux enfants des couches défavorisées d'aller à l'école. La Fondation a remis des fournitures scolaires dans les communes du 6e et du 7e arrondissement. Les membres de la Fondation se sont aussi rendus à l'INIA pour les mêmes objectifs. Christelle Ngarlemdana. Les enfants démunis des sites du 6e et 7e arrondissement bénéficient des kits scolaires. C'est l'œuvre de la Fondation Helping Hands. Cet appui a pour but d'encourager ces enfants à poursuivre leur cursus scolaire. L'accomplissement de ce projet a été le résultat de plusieurs collectes, plusieurs contributions, de beaucoup de gens soucieux de l'avenir de nos enfants. Nous vous encourageons et nous vous exhortons à mettre au service de vos enfants ces kits que nous vous offrons pour leur éducation, car demain, ils seront la relève de ce que nous sommes en train de faire. Le maire de la commune du 6e arrondissement, Neldita Alarangue-Alexandre, loue cette initiative. Collecter des kits scolaires en faveur des enfants démunis est une initiative hautement louable qui mérite d'être soutenue et encouragée. Après le 6e et 7e arrondissement, la Fondation s'est rendue à l'INIA dans la région du Chariba-Guirmi pour le même but. Redonner le sourire aux enfants défavorisés et faciliter l'insertion dans leur vie éducative, c'est la mission de cette fondation. Rendons-nous à Bol une fois de plus où les jeunes issus des différents mouvements réfléchissent sur le développement de leur région et aussi sur des actions à mener pour contrecarrer les actions ayant trait à l'extrémisme violent. C'est à l'initiative du Centre du dialogue humanitaire. Amana Isaac Asina, reportage. Cette thématique ont été développées pendant ces 3 jours de travaux. Il s'agit de l'éducation et formation professionnelle, de l'opportunité économique que présente la région du lac, la participation citoyenne des jeunes dans la prise de décision, la question de la migration, de la radicalisation des jeunes, la démographie et enfin le genre et environnement. En organisant cette journée, le Centre pour le dialogue humanitaire, l'Union européenne, et le Royaume de Danemark entendent assurer une implication effective des jeunes dans le processus de prise de décisions politiques, économiques et sociales. Comme l'explique le conseiller pays du Centre pour le dialogue humanitaire Félix Nadigim, à l'issue de cette rencontre, 25 jeunes de la région du lac seront identifiés afin d'atteindre les objectifs que son organisation s'est fixés. Un avis partagé par le maire deuxième adjoint de la ville de Bol, Mohamed Mustafa, qui a rappelé l'importance de cette formation. Le représentant du gouverneur Adoum Salé Lamine salue l'initiative qui, selon lui, intervient dans une période où la région est menacée par les ennemis de la paix. Adoum Salé Lamine exhorte les bénéficiaires de cette formation à mettre en pratique les connaissances acquises afin de relever les défis qui s'imposent. La région du lac, à en croire le représentant du gouverneur, apporte tout son soutien à ces jeunes afin que cette initiative serve d'exemple pour d'autres régions du pays. La commune du 5e arrondissement, nous sommes en N'Djamena, a son comité de vigilance. Ce sous-comité a pour rôle d'appuyer fortement donc les forces de l'ordre pour la sécurisation des lieux de prière. Les membres du dit comité ont été installés à la faveur d'une cérémonie organisée à l'arrondissement. Varelaje. C'est un bureau composé de 15 membres. Il est dirigé par Ramadan Oussia. Le bureau a été installé par le maire premier adjoint de la commune du 5e arrondissement, Djimé Abderrahim. Il a pour mission de veiller aux fouilles systématiques des fidèles dans les lieux de prière de la dite commune. Pour Brahim Algoni Abdoulaye, président de l'association Al-Abrar, les jeunes sont déterminés à accompagner et appuyer des initiatives qui prônent la paix et la tolérance. Au nom de la commune du 5e arrondissement, le maire premier adjoint, Djimé Abderrahim, salue les efforts des jeunes de l'association Al-Abrar pour la sécurisation des lieux de prière avec l'appui des agents des forces de défense et de sécurité. L'association Al-Abrar est créée en 2014 et compte plus de 6000 adhérents sur l'ensemble du territoire national. Le 7 octobre de chaque année est consacré Journée du travail décent. À cette occasion, les membres de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, CLTT, sont allés s'enquérir des conditions de travail des agents d'une boulangerie de la place. Après échange, le représentant de la CLTT estime que dans cette structure, les conditions de travail sont acceptables.